manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le kitty. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le changer. Je fais comment? C'est une compétence à penser. Justement, une telle vie à faire. Non. Je vais gérer ça. Tiens, Roudé! Tu ne réponds pas. Mireille. Je t'appelle, non? Mireille, qu'est-ce que tu fais? Non. Justement, tu me fais tomber. Ya. Mireille, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu sauras ce que je fais ici. Pardon, parle doucement, ma femme d'or. Hein? C'est maintenant que tu sais que tu es marié. Mireille. Tu n'as pas encore parlé doucement. Attends, comment elle s'appelle encore là? Ngobekai! Attends, Ngobekai! Tais-toi, sors. Moi, je sors pour aller où? Sors. Pourquoi tu fais autant de bruit avec ton ami? Non, Adou. C'est cette femme, elle demande un renseignement. Elle va partir. Quoi, Tahunte? Renseigne quoi? Moi, renseignement. Pardonne-lui la vérité. Tu n'as pas demandé la maison de Saint-Plus aujourd'hui là. Dis-lui. Tu ne parles pas. Tu n'as pas dit que tu demandais la maison de Join. Madame, si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que notre mari ici présent m'a enceinte. Tchakou t'était épousée sans que je ne sois au courant. Là n'est pas le plus important. Hein. Je suis là parce que je suis grosse de Tchakounte. Je t'ai enceinte comment? J'étais le seul qui montait sur toi. Ah, Tchakounte, tu la connais? Je ne sais pas. Tu es déjà monté sur elle. Hein, Tchakounte? Possible. Possible? Non, c'est moi qui suis bête ici, quoi. Chérie, il ne faut pas l'écouter. Mm-hmm. Je te promets, c'est juste un accident de parcours dû à un verre de trop lors d'une virée avec les Rogers. Si tu reconnais seulement être monté sur la fille, si tu vas seulement assumer ta paternité, tu vas t'occuper de l'enfant, là. Que si une fille se lève chez elle pour venir dire à un homme que tu m'as enceinte, n'est pas folle. Donc rassure-toi, comme depuis là, ta mère veut même d'abord les enfants là. Voilà l'enfant que tu as commencé à donner. Merci seulement pour l'honneur que tu me donnes. Il faut trouver le vrai père de ton enfant. C'est toi le vrai père de mon enfant. Et tu vas assumer. Merci beaucoup. Vraiment, il n'y a même pas de mot. Merci et petit comme ça. Maman, faut seulement garder l'enfant là. S'il ne s'occupe pas, moi, je vais t'aider. Mireille, tu n'as pas honte? Mon père, j'ai fait quoi, non? Tu n'as pas honte? Hein? Je passe ton tête dessus, vois-tu? Non, papa, attends, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Attends, je t'explique. Hein? Papa, attends. Tu me laisses là! Tu vois? Bébé, attends, je t'explique doucement ce qui s'est passé. Simplice, où connais-tu cette fille? Madame, je n'ai pas de problème contre vous. Cette fille que vous voyez là, depuis quelques mois, elle est ma fiancée. J'aime-moi parler l'affaire si en prophète. Et s'il vous plaît, elle aurait avorté à l'insu. Jesus! C'est ce qui m'a conduit jusqu'ici. Donc la fille c'était vraiment enceinte. Jusqu'à ce qu'elle a avorté, elle est arrivée ici. Hein. Elle est venue me larguer au visage que notre mari, le bouffon aussi, notre mari l'aurait enceinte. Apparemment ils sortaient ensemble. Ton ami a sorti ta femme. C'est dehors qu'on va gérer ça. Bébé, attends. N'importe quoi. Allez. Regarde-moi ses mains, ce pied. Tacle la main. Ngoyon. Achouka.